L'évangile de ce jour est donc sur la parabole des noces, et la parabole des noces qui compare le règne de Dieu à des noces, un festin. Les premiers hommes sont invités, mais ils refusent l'invitation. Non seulement ils refusent l'invitation, mais en plus ils tuent les serviteurs qui ont été envoyés pour les inviter. Et à ce moment-là, le roi qui avait organisé les noces il envoie ses serviteurs aller par les chemins, le long des haies, et ramener tout le monde dans la salle des noces. Et le texte nous dit que la salle des noces était pleine avec des bons et des mauvais, était pleine de tous les gens qui se sont trouvés sur le chemin, et notamment ceux qui étaient les plus éloignés. Et donc cette parabole est une allusion à l'ouverture de l'évangile à l'universel. Et dans cette salle qui est pleine, voilà, il y a un homme qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Alors, qui est cet homme et quel est le sens de cette mauvaise façon de s'habiller? C'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette conversation biblique que j'aurai avec Michel Barlot.